dernière sortie de l'année. On va essayer de vous prendre un peu avec dedans. Moi, je sais que les vidéos roulage, c'est pas ce qui intéresse le plus les gens. Enfin, c'est pas ce qu'on regarde le plus. Je vais nettoyer la caméra, comme ça au moins on a une meilleure vision. Mais on va essayer de vous prendre un petit peu avec dedans. Donc on a 2-3 potes qui sont là avec. Une petite Taycan qui va rouler. La Porsche GT4, la M3. Et il y a Paul avec sa Golf 2 qui est là-bas derrière. Avec la G60, il y aura une vidéo sur la réfection du G qui a été fait pour rouler ici. Allez hop, on fixe la caméra, je vais rouler un peu. Dernière session, on fait un petit tour encore et après il fera nuit, on sera obligé de rentrer. Et j'ai les freins qui on peut chauffer déjà.
sais pas si la caméra elle a tout filmé parce qu'elle a planté un peu. Voilà la bête. On charge tout et on rentre. Et demain matin je terminerai, je parlerai un petit peu. Ça vous pouvez dire dans les commentaires si vous en pensez, comment que j'ai roulé, si j'envoie, si la voiture elle envoie. On n'aura pas trop de vidéos de l'extérieur, je vais voir s'il y a du monde qui en a pris là, qui était avec moi. Et comme ça je vous montre un peu et vous me direz si ça vous plaît et on pourra refaire ça. Et là c'est la dernière de l'année pour le GP. Et sur le Nordschleife le Grand je roule pas parce que c'est trop dangereux, il y a trop de monde. Déjà là il y avait beaucoup de monde, moto et voiture mélangée, c'était un peu chaud. Mais voilà. Zo, journée d'après. Hier j'avais plus envie de filmer, j'étais mort. Je sais, j'ai pas filmé grand chose. Bon, ça sera une vidéo courte. Hein. Après, voilà, c'est pour vous faire partager un petit peu le sport automobile avec moi. Ça change un peu de la mécanique qu'on fait d'habitude. Donc là, hier, bon, on voit sur la vidéo, elle a coupé la caméra. J'ai pas réussi à tout filmer comme je voulais. C'est on voit sur la fin des tours. Après, j'avais plus de freins, donc je peux vous le montrer. Hein. Et les freins devant, c'est fini, il y en a plus. Hein. C'est terminé, hein. Ils sont même plus rouges, ils sont carrément... Donc là on voit bien les plaquettes de frein, il n'y en a plus, ils ont changé de couleur, ils disent qu'il y a des fissures dedans. Donc à la fin j'avais plus beaucoup de freins. Sinon à part ça la voiture allait très bien, elle marche très bien. Franchement j'ai rien à me plaindre, rien du tout. Franchement tenue de route c'était bien, je ne m'attendais pas autant, j'étais vraiment très satisfait. Et donc c'est la dernière sortie sur le GP cette année, il me semble, hein. Je ne raconte pas de conneries. Donc... peut-être qu'on en aura des autres, on aura peut-être un spa ou quoi. Si ça vous a plu ou quoi, on verra. On pourra refaire des autres. Là, j'ai été coaché par un pilote, donc j'ai pas réussi à le filmer, j'ai pas réussi à le montrer parce que la caméra, j'ai pas eu le temps de la mettre, on était un peu à la bourre. Et les sessions, elles sont vachement courtes, c'est des sessions de 15 minutes et on avait 1h30. Donc, je veux dire, avec tout le monde qui partait et tout, allez, on va dire, j'ai fait 2 sessions de 15 minutes et puis c'était fini en 1h30, quoi. Donc, j'ai pas eu le temps de mettre la caméra pour vous montrer. J'avais un pilote professionnel à côté qui m'a un peu guidé sur les trajectoires. Et après, quand je filme, quand je roule, je suis seul. Donc là, je roule sans lui. Et bon, là, on voit, la voiture, elle n'est pas toute d'origine, on va dire ça comme ça. Donc là, elle envoie déjà un petit peu. Hein. Il y a du 900 Nm qui passe au sol. Donc, on voit que c'est pas facile à rouler, mais elle va bien. Donc là, on va s'arrêter là sur cette vidéo. On va rester là. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, faut le dire. Si ça vous a plu, faut le dire. Après, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, de la mécanique, tout ça. Et je vous remercie à tous, donc tous ceux qui me suivent. Et je peux pas répondre à tout le monde, j'essaie de le faire, je le dis de nouveau parce qu'il y en a beaucoup qui me contactent, qui m'écrivent. Après, quand on me pose des questions trop compliquées, ils calent eux-mêmes leur distribution, la voiture elle démarre plus. Après, j'arrive pas à répondre à tout le monde. En plus, si j'ai pas le véhicule sous les yeux, c'est difficile à dire, difficile à répondre. Donc, j'essaie de faire mon maximum. Donc, voilà. Donc, à une prochaine vidéo, je sais pas. Et. Il y aura des vidéos sponsors. Je pense que ce sera peut-être déjà fait. Allez hop. Ciao ciao à tout le monde. Et merci pour tout. Ciao.